Tout est belle comme la papaye. Puisque le chanteur s'appelait Papaye. Forcément. Bonjour à tous et bienvenue pour la suite de Spyro Hunters Dragonfly. Et donc on avait on les avait tous une en fait. Et oui, on avait toutes les pierres. Tout à fait, vous voyez, hein. On avait toutes les pierres et après les avoir toutes, on va tout de suite aller dans le nouveau niveau. Et oui, le dernier niveau d'ailleurs de ce jeu qui nous attend, n'est-ce pas Spyro, hein, ça, on s'inquiète un peu, mais c'est un peu déjà le dernier niveau au bout de cette vidéo. Oui, peut-être un peu de temps, j'avoue, même si vu que c'est des vidéos courtes parfois, ça c'est pas grave. Ah oui, bonjour. Hourra, tu as réussi. Mon enchant fonctionne. Marche dessus et il t'amènera dans un endroit vraiment cool. De moi, je pense. Yeah, même moi j'ai un accent allemand mieux que ça, hein. Enfin, tout le moins, je pense que c'est ça, mais je suis pas sûr. Alors, Spyro est dans un bouclier gravitationnel, un champ magnétique gravitationnel. Un truc scientifique, un bidule truc scientifique, hein, voilà, faut pas chercher à comprendre. Alors, mon petit Spyro, en plus, fait le bouclier zélé. Quand est-ce qu'on va arriver, hein, évidemment. En tout cas, il prend bien la pose, hein, Spyro, il prend bien la pose, oui. Il est classe, le petit Spyro, et on y va donc. Ah, bonjour, monsieur, comment ça va? Arrête-les avant qu'ils ne détruisent le reste des labos et toutes nos recherches. Et il est où, Emile? Pas de problème. Mais c'est quoi un R1000 machin bidule? Oh, pour exprimer cela en termes simples, que même un dragon peut comprendre, ce sont des riptocs, orientés nanopropulsion mécaniquement améliorée, sur lesquels nous travaillons dans les labos. Du matériel de pointe, très poussé. Oh vraiment? Et comment dois-je m'y prendre pour détruire ces choses? Eh bien, on a trouvé une faille sur les modèles R1000, lorsqu'ils sont soumis à des basses températures. J'espère que ce sera utile. Pas de problème, j'ai le souffle qu'il faut pour les refroidir. Ou plutôt pas de problème, je vais les refroidir, ce sera mieux. De l'autre côté, les T-Rex 1000 sont assez vulnérables à l'électricité, mais nous n'avons pas pu approcher assez pour les frire à l'aide d'une décharge. Oh, un T-Rex grillé. Qui veut une souris grillée? Hop. Si je pouvais claquer cette souris contre le mur, plutôt dans le mur. Ça... Je me sentirais un peu comme à la maison. Oh, ils sont mignons, eux. Oh, oh, ok. Ah, donc lui, voilà. Voilà, vous voyez, en fait, comme ils sont faits de métal, forcément, le métal... bref, voilà. Vous avez compris. Donc... Vous voyez, des grosses barrières électrifiées, je ne veux pas aller jusque-là, vous voyez, hein, parce que sinon, vous voyez ce qui vient. Et on va donc éviter. Alors, dans ce niveau, en tout cas, il est assez sympa. Il a l'air sympa sur Pac-Man, c'est joli. Je suis quand même fier de ce... Enfin, fier. C'est pas moi qui l'a fait, ça va. Je suis quand même satisfait de ce niveau. Oui, il est quand même pas mal. Cherche T-Rex. Cherche Riptoc. Et toc. Et donc, voilà comment on ouvre la... Même pas. Bah non, parce qu'il faut une autre clé, bah oui, forcément. Et que ça sert à foutrement rien. Et la bubule.
Oui, Belulu, Belulu, oui, on a compris, merci, ça va. Alors... Ah, oh, Oscar, comment que ça va? Il est trop mignon, il est trop mignon. Sérieusement, c'est catastrophique, ce truc. Ouais, donc par ici, il y a que ça, d'accord. Wow. Ouais, on aurait pu en attendre plus, hein, mais... Ouais. Oh, d'ailleurs, faut que je pense envoyer un message à Kevin Didi. Merci à vous de me faire penser, c'est gentil. Et oui, ça sert à ça, ça sert aussi à ça des viewers, hein, oui. Comme quoi, vous êtes utile, vous voyez, hein, et... et ça passe, hey. Vous voyez, c'est bien de... Avec vous, tout se passe bien. Pas comme ceux de la semaine dernière. Non, je taquine, bien sûr. Je plaisante, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Là, par contre, ça... Et là, par contre, est-ce que ça... Oui, je suppose que ça... Et hop, que ça tomberait comme ça, ouais. Alors, jetez Spyro. Évidemment, il est utile de vous dire que le souffle de glace, eh ben, ne marcherait pas dedans. Ah bah non, en fait, on peut rester autant de temps qu'on veut, là, d'accord. Ok, ouais. C'est surprenant, j'aurais trouvé ça logique. Bonjour. On va mettre ça sur le compte de l'émulateur, par contre, hein, ouais. Alors que le soleil est en train de faire son apparition. Et évidemment, il faut qu'il arrive pile quand je suis en train de jouer. Cela va de soi. Bon, ça, aujourd'hui, il a fait beau quand même, hein, ça change, il n'y a pas plu. Ça change d'hier. Surtout que je me suis acheté un t-shirt N7 de Mass Effect à 10€, franchement. Super content. Je me suis rhabillé pour l'hiver, comme on dit. Comme Abe. La chouette de casson. Des joyaux, encore frais, 3 jours. Ils nous suivent. Et Spyro, j'ai étudié ce temple et il est assez fascinant. On reconnaît bien la voix du professeur. Ah ouais? Comment ça? Eh bien, je crois que ces étranges dessins sur les murs sont des indices menant à quelque chose caché. Désolé, caché dans le temple, mais je n'ai pas encore pu le déchiffrer. Donc ça veut dire, oh, tu crois que ça pourrait être un trésor caché en langage Sparks? Je suis fort en traduction, hein, vous voyez. Oui, et d'après ce que j'ai pu déchiffrer, il semble que les joyaux des statues réagissent à la chaleur. Tu pourras peut-être découvrir le reste de Spyro. Bien sûr, on va essayer, hein, y'a. Oh, ils sont trop mignons. Oh, ah, j'ai cru qu'on allait faire un 2 en 1 là, mais non. Cherche! Cherche mon Rex! Cherche! Bienvenue dans Rex! Ah, et donc, la magie du froid opère. Ah non, c'est la magie du... Putain, c'est quoi cette merde? D'accord, ouais. Ça va être très logique. Y'a boy. Si vous comprendre logique, moi vouloir conseil. Hein. Parce que. Moi pas compris. Moi pas con. Enfin si mais. Enfin, bref. So. Ok. Donc il y a un sens pour les. Perso. Ça me semblait logique que... Ouais. Alors... Ouais. Ah, il y avait encore par contre un joyau là-bas. J'ai envie de vraiment récupérer tous les joyaux là.
histoire d'être tranquille et de pouvoir me concentrer sur ce sur cette énigme. Alors bon, est-ce qu'on peut avoir un... comme qui dirait, un indice chez vous sur le comment du pourquoi? Et parce que le comment du pourquoi, il est surtout plus intéressant que le pourquoi du comment. J'espère que vous comprenez surtout pourquoi. Parce que ça expliquerait surtout comment ça se fait que je fail. Que je fail, mais pourquoi que du Johnny? Qu'est-ce que j'ai avec le Johnny, moi? Ah. Zion. D'accord, bien. Et donc celui-là. Aïe, Spyro, ça s'appelle un mur. En même temps, je fonce complètement dedans, je sais. Hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey. Ouais, je comprends pas du tout, moi. D'accord, ça va. Ouais, bah, ouais. Why not, hein? Je comprends pas vraiment là, mais c'est pas grave. Ah, voilà, ici. Yeah. Yes, sir. Alors lui, il se croit être bien caché alors que finalement... D'accord, donc on ne peut point l'avoir comme ça. Ok. So. Donc c'est tout. Ok. D'accord, ah oui, ok, d'accord. Ouais. Ok. À tous les coups, il doit y avoir un... Attendez. Alors là, il y a le dragon. Alors, jaune, vert. Jaune. Jaune, vert, ouais. C'est quoi cette merde? Alors, Spyro. Non, là, ça passait pas. Attendez, parce que du coup, c'est impossible de passer par là-haut. Alors, point du tout. Nine. Ah, ah, je pense avoir une idée. Non. L'idée ne fonctionne forcément pas. Bon. Je veux vraiment commencer par le début en fait, ouais. Parce qu'on voit celui-là. Hop. Ensuite, on va voir l'autre qui s'active et là on entend un bruit électrique. Vous voyez, enfin vous entendez, hein. Bon. On entend quelque chose. Ouais,
Il se passe quelque chose, vraiment, je ne comprends pas. Il y a quelque chose qui m'échappe. Jaune, vert, rouge, bleu, violet. On avait vu ça. Bon. Jaune, vert, bleu, rouge, violet. Non, c'était pas rouge, bleu. Ouais, si c'était rouge, bleu, bon. D'accord, on va réessayer alors du coup. Hop. Jaune, vert, connard. Rouge, bleu, violet. Bon sang. Rouge, bleu, violet. Violet! Comme toi, Spiro! C'est comme ça que tu vas finir. Pardon, désolé, c'est un peu dégueulasse. Mais c'est un petit peu en train de m'agacer cette histoire, non? Attendez, mais je vais vraiment y accéder comme ça, d'accord. Ouais, logique. Elle est où la chiante? Elle est là. Fais pas le malin. Voilà, tiens, dans ta face. Vous avez attrapé Doompa. Doompa? Doompa? J'ai perdu toute foi en l'humanité. Doompa. Putain, qu'est-ce que je peux faire avec Doompa? Qu'est-ce que je peux faire avec Doompa? Je sais pas, Doompa Doompa Boom, je sais pas moi. Je suis mais complètement... Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Pourquoi tu comment? Oh bonjour Zoé. Oh attends, ça pourrait m'être utile. Zappe-moi s'il te plaît, merci. Après tout, on a l'habitude. Bien, bien, bien. Attendez. Vous voyez qu'il y a un dessin sur chacun. Oh c'est bon, je m'en fous de cette libellule. Oh je peux pas faire le 100%, c'est bon. Allez vous faire fuck. Allez vous faire fuck. Il y avait longtemps que je l'avais pas faite. Merci mon Spiro. Merci mon Spiro. Je t'aime, je t'aime, je t'aime en Spiro. Tu vas me manquer, tu vas me manquer. Ah bah, en plus il manquait un joyau qu'on ne voyait pas alors que techniquement on le voit. Ah, la clé de la moelle était. Ce qui enfoncé, ça veut dire la clé de... Ah, la clé des champs. En langage footballistique, ce serait la clé de Didier, forcément. Alors, bon. Et oui, j'en ai honte. Déjà, de 1, de faire une blague de foot, et de 2, de faire de la blague en elle-même. J'ai une limite au mauvais goût, quand même. Hein. J'aime l'Eurovision, c'est déjà suffisant. Alors... Oh. Joyau or notre joyau. Joyau!
4 joyaux même. Dites 4 joyaux. Bien. Je savais qu'il y en aurait certains qui l'auraient fait. Putain, non mais sérieux. Ah, encore un joyau, youhou. Hop. Spiro, tu es en train de me faire suer quand même. Hein. Ceci est une expression, mais oui, c'est un peu ça. Et donc, il y a juste à passer là. Bonjour. Bonsoir. N'empêche, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont avec leur volcan à chaque fois. Alors, il est pas censé avoir un endroit par ici dans le coin, non? Alors, je vois une plateforme en bas. Je vois une plateforme en haut. À moins que ce ne soit que de la... Non, ce n'est pas de la déco, c'est vraiment une plateforme. Yes. Enfin bref, non, il n'y a pas l'air d'avoir quelque chose en dessous par contre, ouais, non. Donc, on va pouvoir continuer. N'empêche, s'il y a quelque chose qui me surprend assez, c'est que dans ce jeu, jamais... Alors que là... On reprend les phases de plateforme du... De la phase de... De Nias New York, hein. Et ben, pas une fois, vous aurez vu une plateforme... Enfin, une plateforme, une... un mur destructible. On n'aura pas vu ça une fois, il me semble, dans tout le jeu. C'est vous dire un peu le... À quel point ils se sont pas foulés, en fait, hein, ouais. Oh, bonjour. Salut mon poteau. Bon, le bruit est un peu... est légèrement en train de m'agacer. Je dis ça, je dis rien. Oui, ça va, je sais ce que ça veut dire. Merci. Oh, hey, how, yeah, we, oh, how. Hey, yo, bonjour. Hello. Oula. Ouh, il y a plein de choses. Ouh, il y a plein de choses et on en est à 22 minutes quand même. On a 20 vies, hey. Le game over, c'est pas pour tout de suite, hein, Jérémy. Bon, c'est là que je failais, forcément, j'aurais eu l'air fin. Pourquoi je saute sur les plateformes alors qu'en fait, y a pas besoin. Oh, j'aime beaucoup cet endroit. À tous les coups, c'est l'endroit où vivait une ancienne civilisation, c'est ça? Donc là, vous tapez... Donc en fait, c'est là que devait sans doute habiter la civilisation, insérer le nom de la civilisation. Voilà. Donc je pense que vous avez raison, du coup, oui. Bien, bien, bien. Bonjour Spyro, bonjour plutôt. On se buzz. Oh, le 2 en 1, il est magnifique. Salut. Oh, je dis oui. Je dis oui. Ah, pétard. Et bien voilà le gong de fin. Bah non, bah non, bah non, de fin, bah non. Ah non, c'est pas fini. C'est pas fini. Comment perdre de vie d'affilée? Finalement, Jérémy, on est plus si loin, si? Hashtag boulet. Bien, bien, bien. En même temps, il me faut relancer là. Et... Enfin bref. Je ne préfère ne rien dire. Je pourrais être méchant. C'est bon. J'ai ma dose. Ce jeu a le don de tout me faire. Il m'aura tout fait ce jeu. C'est rien, la troisième fois que je fais à cause de ce... Ah.
Eh ben non, ça aurait été trop logique. Ça aurait été trop compliqué pour les développeurs, donc bon. Ouh, ça y est, c'est en train de clasher. Ouais, oh. En même temps, quand on voit à quel point ils sont pas foulés, je vais pas me fouler non plus pour faire la vidéo, hein. On reste dans le thème, je n'y peux rien. Par contre, je le trouve trop mignon, même si... Enfin, je le trouve trop mignon. Bon, ils sont trop mignons. Hey, ya, ouais, ya, ouais, hey, ya, la, ouais, hey, ya, ouais. Bienvenue en Norvège. Ah, et toi avec tes yeux laser, espèce de Borg. Mon dieu, heureusement que les Borg n'ont pas assimilé les dinosaures. Sinon, le monde serait foutu. Mmh. Ah ah, il n'en reste plus que 3. Il n'en reste plus que 3. Il n'en reste plus que 3. Sans pire, un super titre de chanson française. On rate quelque chose. Merci monsieur. J'ai quand même cru à un moment que c'était écrit Dr. Krogan. J'étais prêt à dire merde, j'ai des docteurs chez les Krogan. Hello. Oh, hé, Sparrow, dis, est-ce que tu ne pourrais pas par hasard m'aider? Super, merci Sparrow. Dis, tu vois tous ces Hermiles là-bas? Ils ont emprunté mon matériel. Tout ce que tu dois faire, c'est me le rapporter. C'est plutôt simple, non? C'est tout ce que je dois faire. Comment suis-je censé faire ça? Ah oui! Eh bien, il se trouve que nous autres scientifiques avons aussi dû aller sur la lave. Nous avons développé ces équipements que tu peux utiliser. Tiens, laisse-moi te l'activer. Voilà, lui ne te reste plus qu'à passer par ce portail et tu pourras marcher sur la lave sans te blesser. En revanche, Spyro, ta vulnérabilité à la lave ne durera pas très longtemps, mais tu pourras revenir pour te recharger. Cool. Moment de se payer du Riptoc. Bonne chance. J'y crois tellement plus, c'est frustrant. Le pire, c'est que le doubleur à la base, il est pas mauvais. Hein. C'est jusque là, j'ai l'impression que c'est fait exprès en fait. C'est fait exprès que ce soit mal doublé. Et c'est ça qui est encore plus frustrant du coup, ouais. Parce que le type, vous savez qu'il est bon, mais en fait ça marche pas. Oh. Bien. Alors. Ouais. Ah. Et vous voyez qu'ils ont même pas fait l'effort de... d'invulnérabilité de Spyro. Vous voyez, il n'y a rien du tout. C'est tout simplement moche. Il y a zéro animation. C'est magnifique. C'est vraiment... Ramène ta gueule! Viens là! Désolé pour cet élan de vulgarité. Ferme-la un peu. Hop. Non mais sérieux. Il y a zéro animation. C'est quand même vachement ridicule. C'est vachement ridicule. Mitch. Ah, Mitch, oui, ben oui, évidemment, Mitch. Le frère de Peach. Bon. Et ne vous coûtera que le Mitch de pain. C'est sûr qu'aujourd'hui il n'y a pas Mitch, hein, ouais. Allez hop, zouf. Et est-ce qu'on avait buté tout le monde? Je vous dirais bien que oui, mais avec le jeu on sait jamais en fait. Ah bah non, bah oui, parce que... Il y avait ça. Ouais. Buzz your you. D'accord, ok, je pensais les avoir tous sauvés. Bien. Well, why not?
ça. C'est là qu'on aura la fin du niveau, je vous le dis. Hein, ouais. Là pour l'instant on est qu'à 30 minutes, c'est plutôt bon. Hein. Ouais, bon. Everything is okay, donc voilà. On peut continuer. Oh, il a la fiole. Il a la folle. La fiole, pardon, la fiole. La fiole. C'est la petite fiole. Oui, je suis fier de celle-là. C'est ça le pire. Ah d'accord, en fait c'est là où vous les explosez, non pas vous allez exploser. Vous allez exploser à la limite, oui, mais là non. Mais là non. Oh pétard, on va peut-être y aller. On va peut-être se dépêcher. On va peut-être se dépêcher. On en récupère une au passage en sachant absolument pas si on va pouvoir y retourner. C'est quand même dingue. Ah. Merci, je me sens vivant. I will survive, yeah. La 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 la. Eh bien voilà, il nous en manque plus qu'une. Ah, et la dernière, je vous le donne en mille. Ah, ah bah ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas. Pouf. Ouais. Attends, Spiro, on va vite se dépêcher. Repartir là, vite. Pouah, ça s'est pas joué grand chose. C'est bon. Alors. On va regarder où il pourrait. Il pourrait être n'importe où ce bitonio, ouais. Donc attention. Mais il n'est point là. Il n'est point là. Et je suis revenu dans ma période, moi, oui. Ne vous inquiétez pas, c'est ok. Alors. Elle est où la fiole? Elle est où ta fiole? Oui, je sais, je viens vraiment de la faire, celle-là. Référence à Reflet d'Acide, si vous connaissez pas. Évidemment, je vous la conseille, cette série. Elle est quand même vachement bien. C'est une série audio, hein. C'est pas pareil. Mais c'est sacrément génial. On s'en met. Mais vais-je trouver cette fiole? Bon. Ah, elle était là. La dernière fiole. Voilà. Je reviens te chercher. Oh pardon, désolé, faut attendre qu'il décongèle. On va le temps qu'il décongèle. Santé hein, les gens. Allez, bonjour. Bonjour. Beau travail, Spyro. Tu as tout trouvé. Tiens, j'ai trouvé cette libellule sous des débris de matériel dans mon labo. Tu peux la voir. Merci. Vous avez attrapé Jason. Jason. Jason est à la porte, je sais pas, j'essaye, hein, mais j'avoue, avec Jason, il y a pas grand chose qui résonne. Eh ben écoutez, 34 minutes, hein, j'ai envie de dire, c'est suffisant. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais des gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine encore une fois pour un nouveau Spyro Enter the Dragonfly, bisous, au revoir, salut Spyro.